Le film s'ouvre sur Eric dans un fourgon de police. Il est perdu dans ses pensées et semble triste. Il est escorté dans l'établissement pénitentiaire et fouillé, avant d'être emmené dans une pièce pour se déshabiller. Ses fentes sont alors examinées à la recherche de produits de contrebande, avant qu'on lui remette ses vêtements de prison et qu'on l'envoie dans sa cellule. Les procédures semblent très strictes et la prison doublement sécurisée. Seul, il se pose les deux mains sur la tête, dépité. Il se met immédiatement au travail, fabriquant une arme avec son bâton de rasage et sa brosse à dents. Il casse le bâton de rasage, en extrait la lame et la fixe sur le bord de la brosse à dents. Il cache ensuite sa nouvelle arme, avant de s'installer dans ses nouveaux quartiers. Le lendemain matin, il s'exerce dans sa cellule un peu avant que les gardiens de prison n'ouvrent les portes. Tout à l'heure, il a essayé de fumer, mais le briquet ne s'allume pas. Il voit son voisin allumer une cigarette et lui demande de lui emprunter son briquet, mais le voisin ne le lui donne pas, prétextant qu'il n'en a pas de rechange. Eric apporte son assiette à la cantine pour le petit déjeuner. Il se dispute avec Jago, l'homme qui lui tend la nourriture. Dans la cour, des prisonnières dans les rues. Certains se livrent à des activités illégales, en cachette, tandis que le garçon les surveille de près. Neville s'approche de lui et, pendant un instant, on remarque que le garçon connaissait déjà cet homme. Il était évident, à la façon dont il le regardait, que Neville était son père. Nous avons un aperçu de ce que le garçon a pu faire pour être ici. Alors que le garçon rejoint les autres, l'homme retourne dans sa cellule, comme s'il était responsable de tout l'endroit. Il regarde un croquis réalisé par un enfant, avec l'inscription « Je t'aime papa ». Dans la prison, le garçon observe les autres le regarder. Son voisin entre dans sa chambre et tente de prendre quelque chose, mais Eric le renverse. Ash pense que l'homme qu'il a attaqué est sur le point de mourir et l'emmène pour prévenir les gardiens. Lorsqu'ils lui disent de se lever, il retourne en courant dans sa cellule. Eric lui met de l'huile pour bébé sur le corps, casse la table et se prépare à utiliser ses jambes comme arme. Eh, le gardien chef, était là pour tout surveiller. Eric frappe les gardiens venus le chercher et prend l'un d'eux en otage. Pendant un moment, il semble qu'il soit sur le point de conclure un marché pour sortir de prison. Voyant que cela ne marchera pas, il libère l'otage. Eric continue de prétendre que l'incident qui a fait perdre connaissance à son voisin était un accident. Les gardiens ne sont pas indulgents. Ils le traînent au sol, menottés, mais alors qu'ils franchissent les grilles de fer, ils frappent à nouveau, obligeant les autres à garder leur distance. Un membre du personnel non opérationnel, Oliver, tente d'intervenir, mais le gardien-chef lui ordonne de quitter les lieux. Alors qu'il commence à s'éloigner, un garde demande à Oliver de l'aider et celui-ci commence à parler au garçon jusqu'à ce qu'il se calme. Il le met alors en garde à vue et l'emmène en isolement, une cellule similaire à l'isolement cellulaire. Oliver appelle le gouverneur Cardew et Eric rit aux éclats dans la cellule. Lorsque le gouverneur Cardew apparaît, Oliver lui explique la situation, qu'il juge dangereuse, et propose à Eric de commencer un traitement pour sa violence. Cardew ramène les deux hommes dans son bureau et les interroge sur le garçon. Il apprend que le garçon est adulte et qu'il a été transféré de Durham à la prison 2 ans plus tôt que la normale. Elle demande à Oliver quels sont les risques auxquels elle pense que le garçon est soumis et il tente de la rassurer. Il propose de le renvoyer dans l'aile, une sorte de thérapie spéciale avec Oliver s'il respecte le régime, mais il sera ramené en bas s'il y a d'autres incidents. Eric dit que le seul problème avec cette proposition est que s'il se conforme et devient un citoyen modèle, les autres qui suivent la même thérapie le feront aussi. Le directeur de la prison et les gardiens se retrouveront alors au chômage. Elle suggère de confier le garçon à Oliver, comme il l'a demandé, mais un accident suffit à le ramener ici. Oliver tente de contacter Eric, mais ce dernier ne veut rien entendre. De retour dans l'aile, Neville se rend dans une pièce où se trouvent deux hommes qui prétendent qu'aucun accord n'a été conclu. Il bat l'homme et le force à passer un coup de fil, puis l'avertit qu'il lui fera du mal s'il n'en passe pas un autre. Il quitte les lieux et entre dans une pièce appelée « salle d'audience ». L'homme qui s'y trouve, Denis, semble être un détenu puissant qui donne des ordres. On lui dit que son fils cause des problèmes et qu'il devra donc l'encadrer, car le garçon devra mourir si la raison ne l'emporte pas. Plus tard, l'un des gardiens emmène Neville en isolement pour qu'il voie son fils. Neville lui dit de bien se tenir et de sortir, contrairement à lui qui ne peut jamais partir. Eric parle de ses premiers jours d'enfant, écoutant les disputes de ses parents. Le père le fait taire et lui demande de manger la nourriture qu'il a apportée. Le lendemain matin, un des gardes fidèles à Neville ramène Eric dans l'aile. Son voisin a regagné sa chambre avec un bandage autour de la tête. Eric se faufile dans la chambre de Jago et le disperse, puis prend quelques-unes de ses affaires. Il vole quelques objets dans le chariot de nettoyage pour nettoyer sa chambre, tandis que Jago crie pour prendre la tête de la personne qui était dans sa cellule. Neville emmène Eric dans le groupe d'Oliver, tandis que Jago paie un homme pour qu'il trempe Eric. Il désobéit à Oliver et fume dans le groupe, bien qu'on lui ait dit que ce n'était pas un groupe de fumeurs. Il menace un garde et est raccompagné dans l'aile. Oliver demande à deux membres de son groupe, Hassan et Tyrone, de s'occuper d'Eric. Cette nuit-là,
Un groupe d'hommes masqués attaque Eric dans sa chambre et Hassan intervient pour l'aider. Ensemble, ils jettent les agresseurs dehors. Plus tard, il leur parle, mais son père est en colère parce qu'il a fraternisé avec les hommes noirs. Neville est agité. Dans la chambre de Neville, son colocataire lui dit qu'il est jaloux d'Eric parce que le garçon tisse des liens sans lui. Le lendemain, Oliver rend visite à Eric dans sa chambre. Ils discutent un moment et Oliver l'invite à rejoindre le groupe avec lui. Eric lui demande ce qu'il fait dans le système pénitentiaire et Oliver répond qu'il se sent chez lui. Il explique qu'il a été envoyé dans un pensionnat lorsqu'il était enfant. Eric dit qu'il a également été renvoyé et placé dans une famille d'accueil à l'âge de 10 ans, et qu'il a tué un homme qui avait essayé de le battre. Lors de la réunion du groupe, les hommes se disputent beaucoup entre eux. À la fin du groupe, les hommes rient, comme s'ils avaient grandi ensemble. Eric part à la recherche de son père. Avant de trouver la chambre de son père, il tombe sur Danny. Il emmène Eric dans la pièce pour l'attendre, lui dit qu'il est venu parler d'homme à homme et qu'il ne veut pas que son père lui ordonne quoi faire. Le père pense qu'il y a plus que cela, mais Eric part et retourne dans sa chambre. Lors de la réunion du groupe, ils discutent de la race et du racisme. Eric se rend à la salle de sport où il rejoint Hassan et les autres pour faire de l'exercice. Neville entre et l'observe avec son groupe pendant un moment. Il prend un bain dans la salle de bain lorsqu'un homme envoyé par Jago tente de l'étrangler. Il interroge l'agresseur et découvre qu'il a été envoyé par Jago. Eric attaque Jago et le découpe en morceaux avec le couteau qu'il avait fabriqué lors de son entrée en scène. Il interroge ensuite Jago sur Danny, l'homme qui tire les ficelles à l'étage. Il s'y rend et tente d'attaquer Danny, mais Neville est là et l'en empêche. Lorsque Danny découvre que Jago a insinué qu'il l'avait envoyé chercher Eric, il lui ordonne de bouger ou il sera mort. Il renvoie Neville et s'assoit pour avoir une conversation civile avec Eric. Il lui conseille d'arrêter les disputes stupides, car la violence n'est pas toujours la solution, et lui dit qu'il lui rappelle son enfance. Neville invite Oliver dans sa chambre et tente de lui dire comment guider Eric pour qu'il sorte rapidement de prison. Mais Oliver lui rappelle que ses méthodes et son objectif n'ont rien à voir avec cela. Lors de la réunion du groupe, ils s'exercent à la gestion de la colère. Ils essaient délibérément de mettre Eric en colère et le regardent s'efforcer de rester calme. Ils se réjouissent lorsqu'il y parvient. Un garde surveille l'extérieur de la porte. Eric est avec Hassan et Tyrone, qui lui offrent du thé. Il commente la photo de Tyrone et de sa mère accrochée au mur. Il lui pose des questions sur sa mère et il répond qu'il n'en a pas. Neville l'observe alors qu'il quitte la chambre de Tyrone. Le lendemain, Neville assiste à la réunion et se dispute avec son fils. Quelques instants après son départ, le groupe se dispute bruyamment. Et en profite pour forcer Eric à quitter le groupe. Il provoque ensuite Oliver pour qu'il l'attaque afin de lui retirer son droit de visite et de le forcer à sortir de la prison. Alors qu'Eric attend de recevoir un repas, son père s'approche et se positionne derrière lui. Eric quitte la file d'attente et s'éloigne de son père. Son père le suit dans la cellule et ils se disputent. Alors qu'ils se disputent, Danny tente d'intervenir mais Eric le frappe et le fait tomber. Eric frappe à nouveau son père. Les gardiens interviennent et retiennent le père et le fils. Neville est devenu si violent dans sa chambre d'isolement qu'ils ont dû l'arroser. Au bout d'un moment, Neville appelle Eric, effrayé qu'on lui ait fait quelque chose. Lorsqu'il entend enfin sa voix, il demande ce qu'ils ont fait et lorsqu'il entend que rien n'a été fait, il comprend qu'il se passe quelque chose. Il pousse l'un des gardes à le libérer. Il quitte sa chambre solitaire et part à la recherche de son fils. Et les autres gardes sont sur le point de tuer Eric, c'est lorsque Neville entre dans la chambre de Danny. Il tente de convaincre Danny de revenir sur sa décision, mais ce dernier essaie de le piéger. Il tue Danny et se précipite vers l'isolement, juste à temps pour voir et ses amis tenter de pendre Eric. Il les repousse et sauve son petit ami. Alors qu'Eric est à l'infirmerie, Hassan et les autres garçons du groupe tentent de le maîtriser. Un gardien le fait sortir de la chambre juste à temps pour voir son père transféré hors de la prison et dire à Eric qu'il est fier d'être son père. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.